Oui, alors comment tu trouvais qui très récemment sur les réseaux sociaux s'est fait bonder avec plein de propos racistes, même propos communaux et ou qui en tant qu'avocate qui a à dire dessus? Ben, déjà, à un moment, c'est vraiment regrettable qu'il nous trouve ces derniers temps, moi, un grand nombre de vidéos qui peuvent être postées sur les réseaux sociaux à caractère communal, à caractère raciste. Mais ils vont que ça manque du monnaie, pour une équipe de commettre un offense qui est assez grave. Donc, ça manque du monnaie, si tu peux faire une vidéo à caractère raciste, communal, je peux poster ça sur Facebook, par exemple. Là, je prends en contravention de section 46 de l'État, dans son forme actuelle. Et si je trouvais coupable dans la cour, il y a une peine qui allant jusqu'à 1 million de roupies, donc quand même inconséquent, et un terme d'emprisonnement qui pas dépasse 10 ans. Donc nous trouvons que la loi est déjà sur place et il y a une peine vraiment sévère pour ban du monde qui peut commettre une action comme ça et déjà bien sévère. On va penser bien de un exemple de sa man du monarque qui se peut faire. Vous êtes aussi capable être poursuivi sous la section 282 du Criminal Code pour stirring up racial hatred, donc vous pouvez inciter à la haine raciale. Là aussi, une amende peine d'emprisonnement pas excède 20 ans et ben, une amende pas excède 100 000 roupies. Donc nous, vous avez connu qui s'amène au fond, ça, les arrestables, donc la police est capable d'arrêter. Et moi, l'appel qui me dit pour faire aux autorités, c'est qu'ils nous prennent en action rapidement contre Saman Dimouna pour qu'ils soient responsables de ce qu'ils ont fait au moment de résoudre. Ce n'est pas juste un droit, mais une responsabilité qui vient avec ce droit-là. Nous ne sommes pas capables d'aider Saman Dimouna grâce à l'harmonie et la paix dans lesquelles nous pouvons vivre en démocratie, souvent en communauté ensemble. D'accord. Ben, la loi, justement, lit sévère. Donc, vous pensez qu'ils n'appliquent la loi, comme on a dit, comme on peut dire, il y a jusqu'à 1 million de roupies l'amende. Ça me pense qu'il lit sévère. Et il y a aussi un tiers d'emprisonnement allant jusqu'à 10 ans. Donc, si nous appliquons l'État dans sa forme actuelle, en s'amendant du monde qui récemment fait une ferme à un groupe au communal et raciste, me pense que c'est une sentence sévère et exemplaire qui vise énormément de Mais n'empêche de nous trouver qui, de jour en jour, l'est toujours peut augmenter, même si la loi est assez sévère. Oui, malheureusement, malgré que la loi dit sévère, je vais agir irresponsable et je vais continuer pour ces mêmes affaires à caractère raciste, communal. Et ça, c'est me penser peut-être c'est l'éducation, la sensibilisation des gens aussi, du monde en train de vivre en communauté, à l'île Maurice, dans toute bonne culture, communauté, religion qui vivent ensemble. Donc, on va bien comprendre qu'il fait du monde qui faisait faire une vidéo, que tu peux insulter à notre communauté ou à notre religion, par exemple. Et moi, je me disais que la loi est bien appliquée. D'accord.